Changez votre filtre à carburant de type en ligne en toute simplicité. Pour changer votre filtre à carburant, vous avez besoin de chiffon, de gants, d'un produit nettoyant, de tournevis, de clés adaptées, de rampe, du filtre neuf, de deux colliers à vis. Reculez le véhicule sur la rampe et serrez le frein à main. Sous le véhicule, repérez l'emplacement du filtre à proximité du réservoir. Placez le bac de récupération sous le filtre. À l'aide d'un tournevis, dévissez les deux colliers de serrage situés à chaque extrémité du filtre. Retirez les deux durites du filtre. Repérez le sens de montage des durites. Videz le carburant contenu dans le filtre. Dévissez le support du filtre. Retirez le support avec le filtre. Enlevez le filtre usagé de son support. Identifiez le sens de montage sur le support. Placez le nouveau filtre en vérifiant le sens de montage. Retirez les bouchons du filtre. Repositionnez le support dans le bon sens. Refixez l'ensemble. Mettez en place les deux colliers de serrage neufs sur chaque durite. Fixez les durites sur le filtre, puis serrez les colliers sans abîmer les durites. Amorcez le circuit de carburant en mettant le contact ou comme indiqué dans le manuel de votre véhicule. Démarrez le moteur et laissez-le tourner plusieurs minutes jusqu'à atteindre un régime moteur stable. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur le circuit. Ne jetez pas le filtre usagé dans la poubelle domestique. Apportez-le avec le carburant récupéré dans le garage le plus proche. Valeo vous recommande de changer votre filtre à carburant tous les 30 000 km en accord avec le plan d'entretien de votre véhicule.